plus que quelques heures avant que le Père Noël dépose des cadeaux sous le sapin, mais Philippe, l'association des vétérinaires du Québec, met en garde contre l'achat d'un cadeau en particulier. Et Véronique, ce cadeau, c'est l'achat d'un petit chien ou d'un petit chat là, pour Noël et je sais qu'il y a certains enfants qui aimeraient avoir justement un petit pitou, un petit minou pour Noël, mais ce n'est pas une bonne idée selon l'association des vétérinaires du Québec. On met en garde contre l'achat de ce cadeau parce que avoir un animal de compagnie, ça nécessite plusieurs responsabilités et pas juste pour quelques mois, pour plusieurs années. On peut écouter d'ailleurs un des représentants de l'Association des vétérinaires du Québec. Avoir un animal de compagnie, c'est un investissement sur une quinzaine d'années qui demande beaucoup de dons de soi d'argent euh, et malheureusement, ben, il faut choisir l'animal avec vraiment leur parcimonie. Peut-être que vous, c'est un oiseau, un poisson, un chien, un chat qui vous conviendrait plus, mais ceux qui vont vous faire le cadeau pensent peut-être le contraire. Donc, il faut clairement connaître nos goûts, qu'est-ce qu'on veut faire avec cet animal-là au cours des 15 prochaines années. Et c'est un son de cloche similaire à la SPCA de Montréal. D'ailleurs, pour l'achat d'un petit chien ou d'un petit chat, on suggère à la SPCA de Montréal de venir toute la famille ensemble dans une des succursales pour choisir l'animal parce que ce n'est pas tous les animaux qui réagissent de la même façon. Hein? Peut-être que pour tel type de famille, c'est mieux un petit chien, mais peut-être un petit poisson, un chat pour d'autres familles qui veulent avoir un peu moins de responsabilité. Dans D'ailleurs, il y a également l'aspect financier. Lorsqu'on offre un chien ou un chat, c'est plus de 2400 annuels qu'on doit, res... qu doit réserver, justement, là, pour s'assurer d'offrir des soins de base de qualité à notre petit chat ou notre, petri... notre petit chien. Donc, avant d'acheter de... un... un petit chien pour Noël, il faut bien y penser. Il faut s'assurer que c'est une décision familiale avant de passer à la caisse. Merci, Philippe.